Ancrez-vous, enracinez-vous dans ce moment, afin que vous puissiez le vivre vraiment. Bismillah. Installez-vous de façon confortable. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Bismillah. Nous commençons par les récitations de Sourate Al-Fatiha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les portes, inshallah. Amin. Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله Je m'approche de la porte de Dieu en son nom, le plus proche des proches, créateur des liens d'amour et celui qui les maintient le plus. Mes louanges et mon dévouement s'orientent vers Dieu, l'éducateur et nourrisseur des âmes et des consciences. Plus proche de moi que moi-même, celui à qui j'appartiens, source de ma vie et origine de mon identité, juge de mes intentions et de la sincérité de mon engagement avec lui. Mon Dieu et nourrisseur de mon âme, c'est vers toi que je chemine. En toi je puise ma force et trouve l'assistance. Mon Dieu, nourrisseur de mon âme, c'est vers toi que nous cheminons. En toi, nous puisons notre force et nous trouvons l'assistance. Inspire-nous et guide-nous dans ton chemin droit et ta bonne voie, la voie du bonheur éternel empruntée par tes bien-aimés, témoins de ta grâce abondante, qui apprécient et vivent tes bienfaits. Je cherche refuge auprès de toi, mon Seigneur et éducateur de mon âme, d'être parmi ceux qui sont aveuglés à ta beauté et à ta bienveillance, qui restent sourds à ton appel d'amour et qui subissent tes faveurs en les rejetant, en les sous-estimant ou en les prenant pour acquises. Je cherche refuge auprès de toi, mon Seigneur, éducateur de mon âme, d'être parmi ceux dont la résistance leur fait vivre les dons divins comme une privation, pour qui les bénédictions deviennent malédictions et les opportunités de guidance et de rapprochement deviennent la cause même de leur égarement. Je frappe à ta porte, mon Seigneur. Je suis à ton seuil. Ne me laisse pas me détourner. Que cette porte ne devienne pas un obstacle. Ouvre-moi. Et ouvre pour moi. Amin. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasul Allah. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله Continuez. Concentrez-vous. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله Fermez vos yeux ou regardez devant vous un moment de sérénité. Laissez votre cœur parler au prophète. As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah. Écoute ton cœur. Donne ta voix à ton cœur et écoute ton cœur. Ton cœur traduit cette parole. Je m'agrippe à toi, mon bien-aimé.
mon maître, messager d'Allah. Je m'agrippe à toi, je cherche sécurité, sérénité, fermeté, certitude, courage en toi, mon bien-aimé, maître, bien-aimé d'Allah. Ton cœur dit, écoute, écoute ton cœur. Ton cœur qui parle au prophète. Mon bien-aimé, je bats. À cet instant, je bats. Je connais que j'ai des hauts et des bas. J'ai peur d'être repêché par ce débat. Qui cherche à m'étouffer, qui cherche à me faire souffrir. Mon bien-aimé messager d'Allah, je cherche à me connecter à toi. Je veux rester toujours connecté à toi. Je cherche salat. Je cherche un lien qui ne s'ébranle jamais avec toi. Je cherche un courage, une bravoure. Je cherche la fermeté. Je cherche la sérénité. Je cherche cette paix. Cette harmonie avec toi, cette paix que je ne peux vivre qu'avec toi, en vérité. Écoute ton cœur. C'est ton cœur qui s'ouvre. Ton cœur qui s'ouvre et ton cœur qui s'ouvre. Ouvre ton cœur. Écoute ton cœur. Goûte au monde de ton cœur. Plonge dans ton monde intérieur. Ton monde intérieur te rappelle d'une existence antérieure. Au fond de ton cœur, il y a un cœur. Ou plutôt un œil. Une vision claire. Ou encore une source. Une source pure. Qui n'a jamais été polluée. La pollution intellectuelle, émotionnelle et trauma ne sauront jamais polluer cette source. Cherche cette source. Tu ne peux te confier qu'à cette source. Plonge, plonge à l'intérieur. Plonge à l'intérieur de toi. Plonge à l'intérieur, plonge à l'intérieur. Continue le voyage, continue le voyage. Tu peux seulement voir la beauté du trésor que tu as au fond de toi. Une source pure.
qui a précédé ton existence. Aïnul Aïn, la source de la source. C'est la même source. Des gens bénis. C'est le Kawthar. Un œil. Si tu peux seulement voir la beauté de ton œil intérieur. Si tu peux seulement voir comment il est beau ton œil intérieur. Tu peux voir tout. Tout ce qui existe, tout ce qui va exister, tout ce qui a existé. C'est le même œil qui s'est ouvert sur la beauté du Seigneur le jour de Alastu. Synchronise-toi avec la nostalgie de ce morceau de bois. Qui veut revenir à son champ duquel il a été cultivé. Il vous partage ses souvenirs. Toi aussi t'en as. Si tu peux seulement entendre la beauté de ta voix, la voix de ton âme, la voix de ton esprit qui a dit « Bala ». Comment était belle cette chorale ? Lorsque toi et moi, nous tous et toutes, nous avons dit « Bala ». Répondons à l'appel. Est-ce que vous me reconnaissez? Tu as dit si. J'ai dit si. Tous et toutes derrière le chef d'orchestre, Mohamed. Nous avons tous et toutes dit si. Il n'y a pas un son. Il n'y a pas une musique, il n'y a pas une vibration, il n'y a pas un chant, il n'y a pas une chanson, il n'y a pas un poème qui peut surpasser dans sa beauté cette chorale. Il n'y a pas une voix qui peut surpasser la beauté de ta voix, la voix de ton esprit qui a pu dire « Si, mon Seigneur, tu te reconnais si. » Quelle symphonie.
mettez tous et toutes derrière lui, le chef d'orchestre. Le premier qui a laissé son Seigneur finir sa question juste par politesse. Sinon, il aurait interrompu et dire, si, comment tu me poses une telle question? Je suis l'amoureux qui n'ose jamais oublier son bien-aimé. Mon Seigneur, tu me demandes une confirmation. Juste par politesse. Pour obéir l'ordre par adab. Et pour descendre au niveau des faibles comme toi et moi, qui ont besoin de se rappeler. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله maître, messager d'Allah. Combien je rêve de ce jour là où tu deviens vraiment le maître, le sultan de mon cœur. Tu es le sultan, faut-il encore l'admettre? Mon âme, mon esprit te reconnaît. Faut-il encore le remettre? C'est pour ça que je te dis As-salatu wassalamu alayka. As-salatu alayka. Je m'agrippe à toi, je veux me connecter à toi. Je veux me fusionner en toi. Assalamu alaikum. Je veux retrouver cette réconciliation. Réconcilie-moi. Que je puisse me réconcilier à 100%, à 1000% avec toi. Que chacune de mes pensées puisse être réconciliée avec tes paradigmes. Que toutes mes émotions puissent être réconciliées avec tes émotions. Que ma perspective puisse être réconciliée avec ta perspective. Une réconciliation comme celle de l'Abbas, ya Sayyidi, ya Rasulallah. Un jour je souris, et un jour je ronfronne. Jusqu'à quand, ya Sayyidi, ya Rasulallah? Jusqu'à quand? Quand est-ce que je retrouve en moi cette identité de l'âme apaisée? De l'âme sereine, de l'âme qui connaît son chemin, de l'âme qui est confiante et consciente.
al-mutma'inna, cette âme qui s'est abreuvée à la source et a retrouvé sa perméabilité. Cette âme qui s'est faite pétrie avec cette eau de source pure. Et qui est devenue façonnable dans tes mains, ya Sayyidi ya Rasulallah. Façonne mon âme comme tu as façonné l'âme de Abu Bakr. Mieux encore, comme tu as façonné l'âme de Fatima. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا écouter. Ah, si tu puisses y goûter. Comme je pleure pour toi. Pour que tu puisses y goûter. Comme elle a pleuré pour toi et moi. Pour qu'on puisse y goûter cette coupe qui te parvient à l'instant même. Bois. Reçois. Accueille. Cueille la coupe de la main de celui qui l'a toujours servi. Bismillah. Crois et bois. Même s'il y a toujours, même s'il persiste encore des gens de la croix en toi, crois et bois. Ne pars pas assoiffé, s'il te plaît. Je te supplie pour toi. Ne pars pas assoiffé, par Allah, la coupe est devant toi, bois. Par Allah, je ne vous mens pas, par Allah. Tu ne peux pas voir, tu peux toujours croire en moi, crois. Si tu peux voir et voir, alhamdulillah.
Je remercie Allah qui t'a donné cette lumière dans laquelle tu peux voir. Si tu ne peux pas voir, tu peux toujours croire. Bois, bois avant ton départ. Prends quelque chose, c'est pas de la poésie. Prends quelque chose, je te supplie pour toi. Comme il a pleuré, combien il a pleuré. Des nuits et des nuits. Pas une seule nuit. Toutes ces nuits. Cherche à te connecter à lui, lui qui a pleuré pour toi et moi. Afin qu'on puisse écouter son message 1500 ans après lui. Par quelle grâce, par quelle miséricorde, par quelle rahma, par quelle gère. Tu penses que cette fois, que cette coupe m'est parvenue et t'est parvenue grâce à toi ou grâce à moi, par mérite. Par Allah, on n'est fait que cueillir les fruits du jardin que Mohammed a planté. Par Allah, on ne fait que cueillir les fruits du jardin que Mohammed a planté par sa main. Par Allah, les graines étaient ses graines et l'eau était son eau. Et lui-même était le fermier. Toi et moi, on écoute et on y goûte. On écoute le guide lorsqu'il nous dit « Rentre, c'est le jardin. Bois, c'est la source. » Et on y goûte. On s'émerveille. Et on devient sourd. Et on ne se réveille plus. Voilà ma part et votre part. Réclame ta part. Réclame ta part avant ton départ. N'anticipe pas ton départ. Tu vas partir un jour. Je vais partir un jour. N'anticipe pas ton départ. Écoute. 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 Aie pitié pour ton âme. Blessé qui pleure, qui te supplie. Donne-lui une chance. Donne à ton âme une chance. Écoute, écoute. C'est ton âme qui pleure. حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Écoute ton âme assoiffée et qui voit la source. Ne sois pas si méchant. Ne sois pas comme ces bergers bédouins qui empêchent leurs chameaux de boire
alors qu'ils sont déjà à la source. Tu te dépêches. Pourquoi? Dépêche-toi avant. Tu te dépêches pour partir. Moi je te dis, dépêche-toi pour rester. Dépêche-toi pour rentrer avant que la porte ne se ferme. Dépêche-toi et dépêche-toi. Dépêche-toi et dépêche-toi. Aie pitié pour ton âme. Ton âme veut boire. L'œil de ton cœur voit, voit la source. Libère, libère ton cœur afin qu'il puisse se plonger, se replonger dans la source de l'origine, dans la source dans laquelle il a été originé, dans la source dans laquelle il a été forgé. La source, par son eau, il a été pétri. Pétrifié. Laisse pétrir ton âme dans cette eau. Laisse façonner ton âme dans cette culture. Que la lumière, qui n'est autre que la lumière de réceptivité, l'énergie qui a accompagné le moment du début. De cette symphonie. Devienne un enracinement par la main du Habib, par la main du bien-aimé. Alhamdulillah, nous sommes tous plantés dans cette terre fertile de conscience prophétique. Sa lumière veille sur nous. Toute douceur,
durant le jour comme durant la nuit. محجت البيضاء ليلها كنهارها La voix claire au jour comme la nuit, au moment de facilité comme au moment de difficulté. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maintenant mon frère, ma soeur, c'est dans cette croisade les gens de la croix en toi n'ont pas pu céder. Crois qu'un jour cette croix va être brisée. Lorsque l'héritier parfait va se manifester, il va tuer le sanglier en toi et briser la croix parce que tu le vois. Reste chez lui parce que ici c'est chez lui. Et par Allah, les premiers qui vont pouvoir le reconnaître et le suivre sont ceux qui vont rester ici. Si. Ici. Ici. Dans ce moment qui est en dehors du temps et de l'espace. Personne ne t'en chasse. Reste. Marhaba. Prends ta place pour toujours. Enracine-toi. Reste. Wallah. Personne ne t'en chasse. Reste. Même lorsque tu quittes cette salle, ne quitte pas et ne me quitte pas et ne le quitte pas. Ne quitte pas tes frères et sœurs, ne quitte pas la compagnie du Seigneur, ne quitte pas Hezbollah. Regarde à droite et à gauche. Si tu ne rentres pas au paradis, la main, ta main dans la main de ton frère, ta main dans la main de ta sœur, avec qui tu vas rentrer? Par Allah, tu ne trouveras pas une meilleure compagnie, par Allah. Mettez vos mains dans les mains de vos frères. Et mes sœurs, mettez vos mains dans les mains de vos sœurs. Mettez vos mains et méditez. Donnez-vous cette promesse que celui qui se retrouve, bismillah, prenez vos frères par la main, bismillah, bismillah. Moi je mets ma main dans la main de mon frère, je ne trouverai pas une meilleure compagnie. Inch'Allah que je rentre avec lui, main dans la main, Inch'Allah. Et avec chacun et chacune d'entre vous. Amin. 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 Tes frères et tes sœurs, avec leur faiblesse, avec leur dépression, avec leurs troubles, avec leurs dégâts, avec toutes les imperfections que tu as décidé de voir et choisi de voir. Ils font partie de Hezbollah. Ils font partie de Al-Jama'a.
ils font partie du parti et de la patrie. Tes frères et sœurs, du moment de témoignage, tu chercheras où une meilleure compagnie? Où tu fleuriras en dehors de la floraison? C'est une culture, c'est un mouvement. Tu veux fleurir? Joins-nous le mouvement, c'est la floraison. Tu veux fleurir? Réponds à la brise du printemps. Réponds à la brise du printemps et fleurit. Chaque fleur a sa couleur. On ne veut pas tout le monde des fleurs rouges ou des fleurs jaunes. Comme tu es, avec le potentiel unique que ton Seigneur a planté en vous. Je ne veux pas voir la couleur de mes jugements. Veux-tu, par toi? Je ne veux pas te voir. Par Allah, je ne désire pas te voir déguisé dans mes costumes ou dans les couleurs que ma culture dicte. Où ma croyance édicte. Je veux te voir beau comme toi. Mais laisse-toi grandir. Laisse-toi fleurir. Laisse-toi devenir toi. Laisse-toi devenir toi-même. Je t'aime et tu m'aimes. Mon message à toi, laisse-toi devenir toi-même. Pas que tu deviennes comme moi je décide. Ala muradillah, chaque fleur va grandir comme celui qui a semé sa graine a déjà décidé. Et chaque fleur est belle déjà. Et chaque fleur a été déjà choisie. Juste laissez la graine grandir et laisser la fleur fleurir et apporte ta fleur et avec les bien-aimés nous faisons tous pas un bouquet un jardin. Rawda Mariyad al-Jannah, voilà la réalité spirituelle de cette assise. Ton prophète, moi je ne dis que qu'est-ce que le prophète dit. Ce n'est pas du New Age. Par Allah, c'est la boisson antique. Par Allah, c'est la boisson de Adam et Noé et d'Ibrahim. Par Allah, tu enlèves ça de la religion et toute la religion va tomber morte. Moi, je te révèle l'identité spirituelle de toi, du contexte dans lequel tu es et du texte que tu es en train d'écrire. Ceci est un jardin du paradis. A dit le prophète. N'a pas besoin, nul besoin du passé composé, nul du passé simple. Présent. Bismillah. Ceci
s'appelle un jardin du paradis. Le prophète le dit. Tu veux pas y croire? Va chercher un autre prophète. Ceci s'appelle un jardin du paradis. Qui le dit? Bahamdi. Ton prophète le dit. Mohammed le dit. Ceci est un jardin du paradis. Pourquoi tu veux t'en sortir alors? Reste. Reste. Qui t'en chasse? Qui court après toi? Allah. Reste. Reste à jamais. Écoute, écoute, écoute. Écoute, écoute. Et pourquoi pas? Ah, tu ne deviens pas toi-même un arbre, un oasis, une vie de ce paradis qui donne vie à ceux qui cherchent la vie. Bismillah. Ta place te réclame. Ya Wali. Ya Wali. Ya Wali. Ya Awliya Allah. Par Allah, vous êtes les amis d'Allah. Vos places vous réclament. Par Allah, ta place te réclame. Dans les sénats d'Allah. Oui, oui, je sais. Oui, je sais que tu ne fais pas encore tes 5 prières, je sais. Je sais que c'est un ami qui t'a apporté ici. Oui, je sais. Mais maintenant, maintenant, par Allah, ton nom est écrit comme un ami bien-aimé d'Allah, choisi, élu, et ta place se réclame. Tu n'as qu'à... Ah! Tu n'as qu'à dire, je suis présent, je suis présente. Présent? Présent? Amin. 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 Celui qui dit présent aujourd'hui ne rentrera jamais dans la prison. Présent ou prison? La paix est à la sallallah. Présent, Inch'Allah. Aujourd'hui comme demain, en tout moment, avec nos papas et nos mamans. Vous êtes la continuité de la vie de vos parents. Rentrez et faites rentrer. Vivez et faites vivre, revivre. Tout est là. Tout vous attend. Des milliers vous attendent. Des millions vous attendent. Répondez présent. Répondez présent. Répondez présent. Dites ET veut revenir maison. Téléphonez maison. Hein? Et lorsque les gens de la maison, Fatima Ali et Hassan Hussein, viennent te réclamer, tu vas voir ta fleur fanée reprendre vie comme la fleur de été. Parce que tu es un été. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire été? Non, pas seulement extraterrestre. Et la famille du prophète ne se limite pas à 5 membres. Et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et tous ceux et celles qui sont au-dessous de ce toit. Amin. Amin. Et moi, avec vous, Inch'Allah.
Alhamdulillah pour ce moment. Alhamdulillah pour la maman. Alhamdulillah. Pour ces moments mère. Pour ces moments maman qui font renaître. Et sortir de la matrice dans un univers. Allah, beaucoup plus vaste, beaucoup plus beau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah pour le prophète maman, le Nabi l'Ummi. Alhamdulillah. Alhamdulillah pour cette naissance et pour cette célébration de naissance. Pour cette fête qui, Inch'Allah, mettra fin à toutes tes défaites et toutes nos défaites. Fête ne défaite pas. Aujourd'hui, on fête. Pas de défaite, Inch'Allah. Plus de défaite. Plus jamais de défaite. Fête. Et lorsqu'on va te demander est-ce que tu as fait cette tâche ou cette mission, tu vas dire faites, pas défaite. Tu vas vivre la fête avec le prophète. Ou hatta shay ma fête. Tout est là. La table est servie. Exactement comme il a laissé par Allah. Tu veux devenir Farouk, bismillah. Tu veux devenir Sadiqa, bismillah. Tu veux devenir Zahra, bismillah. Tu veux devenir Ali, Allah. Ya 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 Allah. يا علي يا أعلى يا وهاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا معلم الأنبياء والرسل والأولياء بغير قلم أو كتاب يا الله يا الله يا الله يا حبيبنا أحب إلينا من كل الأحباب يا قريبا أقرب إلينا من كل الأصحاب يا وليا أولى بنا من أنفسنا يا الله يا الله يا الله. Nous te demandons, Ya Arham al-Rahmin, Ya Rabb al-Alamin, par ton nom, le plus grand, par tes attributs, les plus élevés, nous te demandons, Ya Allah, par le prophète, qui nous aime plus que nos mamans, qui nous aime beaucoup plus que nos papas, plus que nos mamans. Nous te demandons, Ya Allah, Ya Arham al-Rahmin, par cette rahma, par cette culture, nous te demandons, Ya Allah, par ce moment, que tu as permis, et cette coupe, que tu as présenté et de laquelle et à laquelle ont pu goûter ceux qui ont pu goûter. Et nous te demandons, Ya Arham al-Rahmin, par cette mélodie du Mouloud qui a été écoutée par ceux qui ont pu l'écouter. Nous te demandons, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, d'écouter cette prière. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا الله tu es le حق tu es le vrai tu es la vérité et nous sommes la fausseté que ta vérité puisse conquérir notre fausseté afin qu'on devienne dans la vérité. Amen. Vérité. Amen. Ya Arham al-Rahimin. Ya Na'am al-Mawla wa Na'am al-Nasir. Salli wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Enlève les obstacles de mon chemin, de leur chemin. Ya Arham al-Rahimin, ces frères et sœurs qui sont venus célébrer ton prophète. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, que le moment de notre rencontre avec toi soit le moment de notre plus grande fête.
Amin. Amin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Et que notre rencontre avec ton bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le Hawz soit notre meilleure célébration du prophète. Amin. Amin. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin.